Salut à tous, salut à toutes, c'est DRK36. Et ouais, il y a des choses qui ont changé. J'ai mué, j'ai les poils qui poussent, j'ai un nouveau micro, j'ai une nouvelle machine et j'ai mon vieux skill qui est toujours bien présent. Notamment au niveau du réglage de mes drivers, enfin bref, je vous épargne des récits inutiles sur ce qui m'est arrivé ces derniers jours avec mon PC, ma nouvelle config, mais c'est à peu près maintenant, je crois, le moment de vérité. Je me lance pour la suite de mes épisodes sur Elite Dangerous. Alors, le concept, je vais appeler ça Autour d'Elite Dangerous. Je vais vous faire des vidéos plus ou moins montées, plus ou moins multijoueurs sur des aspects intéressants du jeu. Et là, je vous avoue, franchement, je fais un petit peu du test avec mon matos maintenant. Et je voulais vous faire profiter d'une zone qui est assez sympathique que j'ai découvert l'autre jour avec Nekva, qui s'appelle Tembala. Actuellement, dans toute la région, et j'ai l'impression, dans quasiment la moitié de l'univers connu, il y a des zones de conflit partout. Dans ce système, il y en a plusieurs. Il y a des zones d'extraction également. On est dans un système fédéré. Et il y a pas mal de gros poissons. On peut se faire du 120 000 à la demi-heure. Parfois, ça pop de manière assez brutale. Bref, le genre d'endroit qu'on aime bien avoir pour varier les plaisirs. Par rapport à ma toute première vidéo, donc je suis passé aux Vultures. Hein, avec la team d'Imway, on est des vautours. Hein, on adore les vautourades, d'aller choper les bonnes vieilles primes qui sont prêtes à tomber. Et j'avoue que ce vaisseau, il fait vraiment plaisir dans le sens où il a une maniabilité qui est, je pense, la meilleure du jeu. Et puis il est assez puissant, il a deux énormes points d'emport de classe 3. Alors bah c'est l'occasion d'ailleurs pour moi de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble avant qu'on décolle. Donc deux gros emports de classe 3, ça fait cher à fitter. J'hésite beaucoup, j'ai pas trop regardé sur internet ce qui était fait. Je voulais continuer sur ma lancée d'avoir un gros laser en fixe, un rayon laser, pour descendre la plupart des boucliers. Bah, j'ai pu me rendre compte que c'était amplement suffisant. Et puis ensuite, pour les dégâts cinétiques, moi j'ai opté pour le canon. Canon en fixe. Voilà, il est ici. Il est en fixe, ce que je dis, Gimbald. Il est classe 2 par contre. J'en ai pas trouvé des plus puissants. Mais le compromis, là, notamment au niveau de la consommation d'énergie, ça on va y revenir tout de suite, il est pour l'instant pour moi assez intéressant. Au niveau des utilitaires, j'ai mis un petit peu de paillettes, un détecteur d'avis de recherche. Bon, il me sert pas à grand chose pour l'instant. Je sais pas si je vais le garder. Et puis au niveau interne, bah, vous voyez, j'ai à peu près 2 millions de soldes. Puis tout le reste, bah, je l'ai mis dans le Vulture. J'ai même pas vraiment assez pour des alliages. Quoique oui, mais là ils en vendent pas. Générateur, il est costaud, là il développe 15,6 mégawatts, mais j'ai plus de marge. D'ailleurs, j'ai même plus de marge du tout, je dépasse. Pourquoi je dépasse? Parce que j'ai pris un récupérateur de carburant. Un autre problème du Vulture, c'est qu'il consomme comme un porc et il saute pas très loin. Donc on a vite fait d'avoir des problèmes avec cette histoire-là. Donc récupérateur de carburant, j'ai trouvé ça assez utile. Bouclier. Relativement costaud, de toute manière pas la place d'en mettre plus, et puis voilà, des capteurs de merde, un système de survie relativement de base. Je me demande si je fais un bon calcul d'ailleurs, on verra bien, et puis les propulseurs B5. La livrée, j'en ai pas, je les ai pas achetés, il y en a pas de toute manière, et puis bon, pour ce que ça vaut, on va pas s'attarder plus que ça. Bon, ben, décollons. Je m'excuse, je suis un peu enrhumé, pour pas dire un peu malade, c'est dommage le jour où je chope mon nouveau micro d'être un peu pris, mais voilà, j'en avais un petit peu marre d'attendre et de faire 10 milliards de tests. Alors vous aurez ma voix parfumée à la morve, comme premier jet. Et puis j'ai hâte de dire des conneries. Allez hop, on est en monde ouvert, on sait jamais, on trouvera peut-être des petits copains de jeu. J'ai une période où ça merdait bien, mais là depuis un moment plus trop de problèmes avec les vrais joueurs. Alors je vous disais, les zones de conflit, on en a une, bah, une forte intensité là qui est toute proche. Non, je peux pas activer encore, je suis encore dans le champ gravitationnel. Bah non, j'y suis plus, je suis désolé de le dire.
Autre bon point pour Vulture, une bonne vitesse de pointe. Il fait pas les 420 du Cobra, enfin que j'atteignais avant, mais il se rapproche des 400. C'est pas mal du tout. Ah ben on est pile poil droit dans la ligne. Alors, 3 mm comme dirait l'autre. Et puis oui, évidemment, moi je suis vraiment un gros porc. Hein. J'arrive et tout, je fais le kéké avec mon nouveau matos et puis je remercie même pas Dimway et puis tous les bons conseils qu'il m'a donné. Et il m'en donnera encore parce que je pense qu'il aura des choses à redire par rapport à mes réglages. Et j'y compte bien. Et donc, si vous le connaissez pas, ce qui m'étonnerait fort, si vous passez chez moi, vous devez le connaître. Enfin, si vous êtes égaré chez moi, perdez pas plus votre temps que ça, puis allez chez Dim. Il y a le lien sur ma page, c'est. Voilà. Ça, c'est de la qualité. Alors, on va choisir notre faction. En tant que bon loyaliste de la Fédé, ben, on va prendre ceux-ci. Ils ont l'air officiel Tembala Defense Party. Go! On va essayer de faire de la bonne vieille Votoura des familles. Qu'est-ce que j'ai dans le coin? Voilà ça. Ah, ouais, transport de troupes, ça on se le réserve. Le piton. Le piton. Allez, on va essayer de s'en faire du sac à main. On vise les sous-systèmes générateurs. Ah merde, je l'ai pas encore analysé. Ah là là, voilà. Je suis tout excité là et je fais tout de suite nimp. Voilà, je me rends compte que je m'approche et que je me retire du micro, c'est pas très bien. Il va falloir que je m'y habitue. Un petit tour du propriétaire. Il a ses boucliers qui sont déjà bien en bas. Mais en fait, je suis en train de tirer sur qui là, merde? Sur un autre, sur un anaconda. Et je vais pas viser ces générateurs, tant pis, allez, on va assumer. Ouais, le vautour là pour les suivre au. Ouh! Oh merde! Ah, mais oui, j'ai fait nimp. Voilà, j'avais pas vu, j'ai tiré sur mes alliés. Non, mais. Là 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 là. C'est quoi ça? Bon, je vous ferai une petite coupure le temps de revenir là-dedans parce que c'est vraiment ridicule. Et puis moi j'arrive pas à sauter là, je suis pris dans le. La honte! Bon alors voilà, ça c'est ce qu'il faut pas faire. Je suis vraiment pris dans le truc là. Je raconte ma vie et puis je tire sur tout ce qui est gros et qui bouge devant moi. Ah oui, officiel Tembala Defense Party. Bravo. Bon. On s'énerve pas. Finalement, bah, fin, je vais pas faire une ellipse là, ça vaut pas la peine. Hein. J'avais dit là que j'étais. J'avais dit que j'étais là aussi pour tester un peu. Bah voilà, je teste. Bon, bah, on va y retourner. Zone de conflit, elle est là. Pas besoin de la reverrouiller. Et on re-rentre, ni vu ni connu. Salut les gars. Oula. Pas passer loin. Oh, mais c'est tous des potes là, y a pas d'ennemis ou quoi? Là, c'est marrant, on dirait qu'il y a tout le monde qui pop dans la map comme ça là. Tiens. Bon. Bizarre, jamais vu ça. Je suis déjà arrivé, il n'y avait personne et il fallait attendre près de 30 secondes ou 1 minute. Bah alors là, que des alliés. Bon, ils sont tous de l'officiel thème. Je pense qu'il y a les ennemis qui m'ont popé d'un coup là. Bon, bah super, c'est la première fois que ça m'arrive. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah voilà. Oh putain.
Ah, c'est bon ça. Je sais pas où donner du laser là. Bah allez, Stas SP, il fera très bien l'affaire. Si je pouvais me concentrer puis pas faire trop de merde. D'accord, ok. Je vais balancer des paillettes. Alors je vous cache pas non plus que j'ai pas encore un pied pour mon micro et que je l'ai posé comme je pouvais, il est bien calé, ça va, ça devrait pas faire trop de bruit. Mais alors pour atteindre mon clavier où j'ai mis un ou deux raccourcis, putain. Cacahuète loupée. Voilà toi, on va faire tomber ce bouclier en 10 secondes. Ah merde, j'ai pas mis de jus. Allez, tombe. Alors, je sais pas si on va entendre mon joystick là, mon otas. Parce que c'est vrai que ça fait un peu de bruit. On va essayer de cacher la merde au chat. J'ai fait pas mal de tests avant. Y compris en bougeant mon joystick. Ça va... Ouh, le con. On avait dit qu'on faisait pas trop le trou du cul. Ah, mais je lui ai. Oh là là. Alors là. Un petit peu tricher une petite cellule là pour cacher cette incompétence crasse. Allez, ouais, je sais pas si je vais pas mettre du multicanon ou du laser. Mais c'est pas mal pour les anacondas, enfin, évidemment, dans les vidéos où j'ai merdé le son ou des enregistrements tout à l'heure, j'ai fait 2-3 belles phases sur des pitons et des anacondas. Puis là, je suis en train de me galérer avec un misérable ASP. On voit que ça vaut presque la peine de... Oh, de leur viser les générateurs aux ASP quand même. Alors où il se cache? Il est là. Il est là. Ah oui, j'ai laissé un peu la musique aussi. Je la trouve assez épique. Voilà. Je vais niquer son générateur. 14 000. Allez, on se chauffe un peu. Ah, il y a un ASP là qui est à point. Enfin, à point. Il lui reste encore les deux tiers. Allez. Non, pas les générateurs boucliers, bordel. Voilà. Allez. Les petites cacahuètes en plein dans le gène, c'est ça. Ah ouais, juste pas. Ouais. Avec la maniabilité du Vulture, c'est un régal. Et merde, je l'ai fait bouger la cible. Et du coup, j'ai plus les générateurs. Non! Quel trou du cul. Ah, il veut se casser. Ouh, non. Il a pété, voilà. Alors là, je l'ai bourriné. Des familles, propre en ordre. Bon, qu'est-ce qu'il y a comme... Ah! Non, Viper. C'est un anaconda, ça se ressemble de face rapidement. Non. Bon, bah, on va se refaire un peu d'ASP. C'est 14 000, c'est pas mal quand même. Ah, j'ai pas encore analysé les sous-systèmes. Un coup de boost. On se remet dans la danse. Alors. Voilà. Voilà. Il y a la coco. Je me mets quasiment zéro de vitesse. J'ai même pas besoin de mettre trop dans les moteurs en plus. C'est ça qui est bon avec ce putain de vautour. Je trouve que ça contrebalance bien ses désavantages, quoi. Pour le coup, l'équilibrage il est assez intéressant. À 20% de gêne.
Et voilà. C'est quasiment 15-20% à chaque fois que je touche avec les canons. Il faut que j'entraîne un peu ça parce que c'est ça qui fait la rentabilité du truc. Mais bon, je sais pas si vous pensez comme moi, mais ce qui manque en fait, c'est. Enfin, moi je rencontre pas assez de vrais joueurs. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, moi j'aimerais bien organiser un tournoi de Sidewinder. S'il y a des gens qui. Je sais que ça botte, bah, qui m'envoient un MP, puis on pourra essayer de monter un truc comme ça. On va sur un petit TS qu'on a là au chaud. Et puis on se filme tout ça peut être cool. Et sur ça, je vais essayer de me faire cet ASP encore. C'est la fête de l'ASP aujourd'hui. J'essaie. J'assume que le générateur il est là. Ça devrait le détruire plus rapidement. Allez hop, on va vite se le viser. Je crois qu'on gagne du temps en fait en faisant ça. Et on épargne des munitions aussi. Allez, à part la chouchou. Alors il est à combien? Il est à 84 de gêne. On s'est tapé dedans. La cacahuète. Bam! Voilà, à 60. Vas-y, tourne, tourne. Puis là, j'ai utilisé la moitié de mes canons. Oula, il y en a un qui m'a frôlé le cul. Allez, hop, un petit peu de marche arrière. Une petite Friedrich spéciale dédicace. Ouh, aïe. Ah, le con, il me. Ah merde, j'oublie de mettre la marche avant. On va se booster avant qu'il nous fasse un peu trop mal. Ah, je l'ai loupé. Fou dans les moteurs, toute la sauce, on booste. Yep. Il est à 10% de gêne. Une bonne cacahuète est bien placée. Maintenant, non, il a mis les shields et je vais lui taper dedans. Voilà, et voilà. Bon, dès que les boucliers tombent, il est mort. Allez, touche. Bon, je l'ai loupé. Allez hop, un long shot. Ah oui, je l'ai eu. alors. Qu'est-ce qu'on a comme. Un peu ras-le-cul des ASP là. Et si j'évite d'être loosé comme avant. Bon, une autre manière de voir peut-être un peu meilleure et moins chiante. Oh, mais si je les ai pas analysés, je sais pas ce que c'est. On va retourner un petit peu vers le centre de la zone de conflit. Alors, Cobra, Cobra, bon, Viper, SP. Il n'y a que de la SP comme plus gros vaisseau dans le coin. Bon. Merde, évidemment. Voilà. Oula, sale coup de boost. J'ai eu le temps de lui analyser ces putains de sous-systèmes, merde. Je me gourre. Ah bah non, toujours pas. Voilà, ça devrait être bon là quand même, non? Oh, ça sert à rien de se précipiter de toute manière, on a le temps. Par contre, les munes. Je crois que c'est ça. Pour optimiser un petit peu, il faut vraiment viser pratiquement tout le temps le générateur. À moins que vous ayez des rayons laser full. Et puis on s'en fout là, c'est vrai. Voilà, je fais nimp. Allez, on prend un peu le temps de. Les canons, ils sont en position. Voilà. Allez, allez, allez! Putain! Allez, on y va avec les lasers. Toute la purée. Ouais, pourquoi pas en fait. Pourquoi pas? Ouais, bah il y a vraiment que dalle, hein. Allez, on va faire varier avec un petit cobra.
Dans les environs, toujours rien. Bref. Alors, si on peut rivaliser avec la vitesse de boost du Cobra en dogfight. Moi, il est déjà en train de se faire emmerder. Hein. C'est pas du jeu, mais bon. On va pas s'emmerder à viser ces générateurs. Ça vaut pas la peine, là, je crois, franchement. C'est pour la beauté du truc. Oh, bon, il est plus qu'à 10%. Et bon. Ah, il a juste viré au mauvais moment. 6%. Ah, ils vont me le faucher. Je crois que c'est bon. Ouais, 8000 quand même. Ah, il veut se casser lui. Il en est où? Oh, 6 km. 17%, ouais. Ouais, je pense pas que je vais réussir. Allez, je booste, je booste, je booste. Ah, je suis trop loin, il va se casser. Ah, je le touche là. Ouf, je sais même pas pourquoi je me suis fait chier à faire ça, franchement. Parce qu'il y avait peut-être pas grand chose d'autre à faire. Bon, on est dans une forte intensité là, je suis un petit peu brecouille là. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce que. Bon, j'ai tellement de primes à gauche et à droite. On est où là déjà? Je vous le conseille, je sais... ouais, Tembella. Ouais, mais je c'est pour la Fédération Ling. Ah bah, peut-être vous l'avez vu passer, pas moi. J'en sais rien. Tant pis. J'en sais rien. On verra ça plus tard. Y a rien qui est apparu pendant ce temps. Bon, écoutez, vous savez quoi? Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire et montrer. Je me fais encore un dernier petit ASP. Et puis ensuite, je vais vous laisser juste avec 2-3 minutes là que j'ai pu sauver d'un passage que j'ai fait avec Nekva en zone multi. Il y a 2-3 coupures saccades parce que j'avais merdé des choses dans ma config. Passons. Et puis voilà quoi. D'ailleurs, je parle, mais j'ai mis aussi un petit générique. Hein. Enfin, j'ai mis. Un petit montage avec la musique originale de mon frérot Daniel San qui a fait ça avec ses petits doigts, sa petite guitare. Il a fait tout le reste avec, on va dire, beaucoup de talent. Je lui avais demandé un générique style genre dessin animé années 80. En gros, vous m'avez compris, du style DBZ, un petit peu nerveux, skatepunk comme ça. Et bah, il a vraiment su comprendre ce que je voulais. Et voilà le résultat, j'espère que ça vous plaît parce que franchement, je trouve ça que c'est pas mal. Et plus que pas mal d'ailleurs. D'ailleurs, il est prêt à vous faire des génériques, hein, pour pas cher par contre. Hein. Moi, c'était gratos parce que je suis son grand frère et puis il me doit tellement de choses dans la vie. Daniel, tu commentes rien du tout, hein. Je t'efface, hein. Tu respectes. Enfin, allez. Bon, un petit ASP là. Tu vas pas me faire languir trop longtemps, sale chienne. Oula, je vais dégueuler. Ah, c'est quand même plus fluide qu'avant, hein, je vais vous dire. Moi, j'en ai plein les yeux là. Allez. Voilà. Bon, et ben voilà, ça c'est fait. On range les bitonio. Et ben il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, soirée, nuit, peu importe. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous montrer un petit peu comment les choses avancent de mon côté. Je vais essayer de poster plus souvent. Maintenant, il faut que je trouve mon rythme. Je ne sais pas encore quoi vous proposer. Je vais partir sur 2-3 autres séries de jeux. Je vais essayer de pas trop m'éparpiller non plus.
Et puis voilà, si vous avez des suggestions, et puis notamment si vous avez envie de participer à ce tournoi de Sidewinder, je ne sais pas dans quel délai on peut le réaliser, mais je vois bien ça va aller vers le 15-16 avril, ça pourrait être pas mal. S'il y a des motivés d'ici là, bah, envoyez-moi un petit message. Sur ce, c'était DRK36 au Tour d'Élite, à très bientôt, bisous bisous, ciao.